وإذا طاف الليل على الخاف عليك حتى ارمي كل الشيكاغو Une personne qui s'avance vers nous. Un stagiaire. Il est où ton cartable? On est venu te chercher, hein, tu manges pas à la cantine. Mais je vois pas pourquoi tu te permets de le tutoyer, tu le connais pas. Putain, Karim! Lâche-toi, tu sors. Quelle coïncidence! On se retrouve ici. Un respect. Ouais. Connexion. Tu fais comme ça. La formation. Alors ? Ça va, nickel. Comment ça s'est passé ? Bien. Zone d'évolution. Voilà, exactement. Bien. Radha, il va bien sauter. Voilà. Bien sûr, il va bien sauter. Il va bien sauter parce que c'est un chel de Kelwen. Voilà pourquoi il va sauter. L'initiateur, il est Mknessi. Mknessi, pas facile. Moi, j'ai pas bien sauté. Évitons tout commentaire, Khliouna Sakti. Écoute-moi, écoute-moi. J'ai bien sauté pour tous les gens de fesses. Mentaka Tseza, je vous représente le clan. Pour les Kenlita, Mknessi. Ça sera mieux, Mknessi, bien sûr. Bien sûr. Ça fait 1-0 déjà. Cohéré. À la différence d'un mec de Mknessi, on a même chichi pour le cartable d'y aller ou bled rousse. On a fait la formation. On a chichi pour le cartable ou le sa'a ou j'ai l'air de chichi très tard. Sinon, on va le chichi pour la cantine. Ou on va le chichi pour la cantine. C'est trop. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une grande structure en deux homosexuels de Marrakech qui viennent faire un saut en couple. Là, les suspens sont bien tendus. Et le glisseur, elle me tue. C'est bon, le moniteur, je crois. C'est bien, c'est bien. Je reprends là. Je regarde là, hop. Voilà. Ouais. Okay. C'est bon, voilà, compris. Pour information, si vous vous retrouvez sur une voile de secours, la voile de secours, elle est comme la voile principale. La grosse différence, c'est qu'elle est plutôt unicolore. Elle a tendance. N'hésitez pas à être anxiogène avec ce monsieur. Il plaide pour la suppression de la zone de saut de Benimela au Maroc. Il mérite le pire des châtiments. Comment ça, la suppression de Benimela, ça? C'est un scandale. Je sais que tu y es souvent. Ouais, tout le temps. Ouais, je sais. Ça va, ça se passe bien? Super. Génial. Allez, on te regarde. Continue à regarder la voile. Oui. Bon, on refait encore. Voilà. C'est des choses qu'on refera quand vous aurez votre bâche sur le dos. Regarde, tu vas le faire avec. Maman. Magnifique. Ça t'a été pongé. Ouais. On a dû mettre des babouches. Ouais, exact. C'est bon ? Ouais. Alors tiens, regarde, va mettre tes baskets là. Tiens, mets tes baskets. Tes baskets, et on va reprendre la position. Vas-y, reprends la belle position. Mais dis quand tu me dis combien, j'ai un bleu de travail. Alors, fais un geste d'ouverture. Ouvre ton parachute, en fait. Prends ton extrait. Alors, regarde. La poignée, elle sera là. Voilà. Tu la prends, tu la mets et tu lâches. Voilà. Et là, ça démarre. Ton analyse de la situation. Je trouve que ce sont des éléments prometteurs. Et je me demande lequel des deux va faire la tête la plus ridicule quand il sera dans l'avion. Aïe, les paris sont ouverts. Mais je suis heureux de les avoir amenés ici. Oh Karim, que passa? Très bien. Au top? J'ai hâte. T'as hâte? Ouais. Bah, mets la radio autour du cou. C'est parti. Le casque, tu peux le cliquer là. À la sangle de poitrine. Okay. Voilà. Putain, mais monte-moi ça là. Oh là là.
Au top, non? Et comme d'habitude, toujours les mêmes. L'initiateur, une fois de plus. L'initiateur. On va voir. L'initiateur. Ah non, c'est toi, ça va aller? Pardon. J'ai hâte. Ok, très bien. Bon bah nickel. Allez, on se dirige vers le camion, on va y aller alors. Karim, un dernier mot? Je suis opérationnel, je fais que ça. Eh ouais, il va sauter! Il va sauter! Un dernier mot avant le saut. Tu paniques un petit peu ou pas? Bon, ça va? On se prévoit pas, on fait la fiesta où? Comme dirait Youssef, le salut vient de... C'est où la teuf? À Barcelone. À Barcelone? Ouais, on se fait ça, c'est quand vous allez venir me rendre visite en Espagne. Là, on ferait une petite virée à Barcelone. Avec un immense plaisir. Mais si, là, ça fait un peu loin, là. J'ai pas amené mon jet. Je trouve qu'on a l'air de l'équipe la plus brillante que j'ai vue depuis ces 30 dernières années. Alors? Ouais, ça roule? Ça roule? Ça roule? Nickel. Ah, ça roule et quoi? C'était bien cette formation? C'est mon reste du coup. Impeccable, pas trop lourd, pas trop long. Non, non. C'est bon. Ce qu'il faut pour toi à prendre. Ok, super. Pas d'erreur. Pas d'erreur. On va essayer, du moins. Attention, hein, si tu fais une erreur. Ah, c'est bien. C'est fini pour moi, je pense. Carrément. أنا نقول لك والو فهاد الساعة إلا كان إلا إلا الوقت كان مزيان وما كانش البرد غينقزوها النهار وإلا كان البرد ماشي هو هذاك غينقزو غدا واعر غينقزو اليوم كاع إيوا صافي دابا دابا أنا ما قلتلكش واش النهار ولا غدا سي جو سي با مازال ما عارفين تا هما المهم إلا نقزو لا لا أنا قبلتهم راني كنشجلهم الصباح ولا كنفلمو فيهم صافي إلا ما عيطتكش هو ولا ما عيطت أنا صافي. Ça, ouais, c'est ça, bon, ça. Un premier. C'est moi qui t'ai violé. Tu pourras dire le mec qui m'a violé. Il pèse 90 kilos. Ouais. Ouais. 90 kilos, c'est lourd. Hein. C'est bon, c'est pour ça. Ouais. Ouais. T'es fier de ton cousin? Non, Rachette. T'es fier de ton zinc? Est-ce que t'es fier de... Mais bien sûr, bien sûr. Et le gringalet, il est là. Donc, fais je délire une case, qu'est-ce qu'il y a? Tac. Ça fait peur. Ça fait peur, tout ça. C'est pas magnifique. Nickel, j'ai tout poil ta taille aussi. On est royal. Non, c'est pas maintenant qu'on le met, on les met tout le temps dans la... Ça va, on est là. Un petit commentaire, Mehdi? Ouais, bah, tiens, on espère, on va sauter que tout se passera bien, hein, c'est tout. Vous allez vous avoir dérangé? Non, pas du tout. Non, c'est possible. Nickel. Est-ce que c'est de les avoir dérangés? Enfin, peut-être que t'enlèves tes lunettes de soleil. Ouais, bah, oui. Tiens, prends-les. Alors, regarde. C'est le numéro 301, marqué là. Yassine, reporter photographe. Le numéro 284, c'est le tien, c'est marqué là. Je peux venir le poser à côté du sien. 284. Je te filme, tu te filmes. C'est dingue, on fait des trucs de fou. Voilà, de la rigolade. Ah, il faut du rigolisme, de la rigolade, de la rigolisation. Je suis autre temps. Allahu Akbar. Merci, Issa. De rien, quoi. Merci. Ça me fait plaisir. On se captera après, Inch'Allah. Inch'Allah, je t'attends en bas. Yes. T'inquiète, ça va aller. Yes. Merci les gars, barakallahu fikoum. Inch'Allah. A tout à l'heure, on fera la même et tu seras déçu. Alors, Cécile, bon saut ou pas? Ouais. Grave. Et là, là-bas, tu vas rejoindre le livre et tu vas te faire la pièce qui est... Ça va mon ami, je suis là pour ton premier saut. Merci ça. Arrête tes conneries. Et tu sautes avec un moniteur des plus brillants de sa génération. Tu vois, regarde, t'as que le casque. Le casque de la radio, là. Thank you.
Bah trop je regarde loin. Non les gars, pose du blé, que du bonheur. Mais t'es un fou toi, je te ferai voir, c'est pas lui. T'inquiète pas, Mehdi, ça va aller bien. Pour tout le monde. T'as entendu, c'est un vent de nord. Ouais, c'est bon, toi, tu me l'as dit. Hey, ouvre-moi ton parachute, tiens, montre-moi comment t'ouvres ton parachute. Vas-y, la clope au bec, nickel. Ça fait classe. Allez, non, 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 t'es pas le cul en l'air, t'as pas les bras en avant, t'es comment? Vas-y, ouais, lève les bras, voilà. Allez. Ok, fais-moi une procédure de secours. La clope au bec, hein, toujours à la cool. Regarde. Tac. Ok. Tac. Putain, t'es au top. C'est bon, vous avez testé la radio, Jacques? C'est bon, c'est bon. Ok, super. Voilà. C'est pas du tout forcé. Eh ben écoutez, une fois de plus, j'ai amené une session avec moi. On pourra pas me reprocher de ne pas être d'utilité publique. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Bah pour l'instant ça va, on verra après qu'on va monter dans le coup. Ok. Tu sais comment on appelle ça? Il a peur mais il le dit pas. C'est la preuve de ta bonne santé mentale mon ami. C'est normal aussi. Bah oui. Bah ouais, bien sûr. La chasse. Il y aura plus de mecs de fesses qui l'ont fait que de la Meekness. Désolé, vous la Meekness. Ouais, mais le premier qui l'a fait, c'est un mec de Meekness. Désolé, vous la fesses. Total, je l'envoie total, total. Je connais Jaboum. Wild Meekness. Exactement. En plus, ils sont plus déterminés, les mecs de Meekness. On l'a dit une fois. Ils ont du souci à se faire. Au niveau de la sécurité, au niveau du travail. S'il a déjà tout oublié, alors nous l'avons dit. C'est bon, tu te sens prêt, c'est bon. C'est bon. Okay. T'es déterminé? Ouais, il y a tout le monde et tu penses aux deux doubleurs. Hein. Il arrive. Un dernier commentaire? Alors Mehdi, tu suis bien les consignes de Sylvia en attendant que tes deux moniteurs arrivent. Ok, pas de problème. Les gars, elle est sévère. Elle attaque. Elle t'en va pas n'importe où. Ne vous inquiétez pas, on va l'embêter un peu dans la vie. Bon, soyez anxiogène, s'il vous plaît. Anxiogène, j'ai des comptes à rendre. Merci beaucoup. Concentre-toi et répète ce qu'ils t'ont appris. Il y en a une qui va l'anxiogène. Youssef, la préparation alors. Déterminé. L'impatient d'être à 4000 mètres. Et le programme? Le programme, on va essayer de faire une flèche, un petit salto, et puis essayer de faire une brique. Inch'Allah. On va voir ce que ça donne, Inch'Allah. Donc là je suis avec des spécialistes dans le parachutisme et ils sont en train de me confirmer quelque chose. Donc je voudrais avoir leur avis. Attends, donc, tu me confirmes quoi qu'il y a? Tu m'as dit il y a trois parachutes, c'est ça? On a trois parachutes dans le sac. C'est ça. Donc il y a quoi? C'est quoi exactement? Parce que toi aussi tu dis la même théorie. La première voile après, c'est quoi?
Après, vas-y. Après. Le troisième, il souffre tout seul. Et après, le troisième, il souffre tout seul. Voilà. Vous voyez le niveau des mecs que je ramène ici.